Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le dernier point météo de la semaine et malgré une atmosphère humide et quelques ondées, c'est un temps plutôt variable qui nous attend jusqu'à la fin du mois avec son lot de belles éclaircies. En attendant, on regarde ensemble la carte du dimanche 26 mai et les nuages n'ont pas l'intention de partir en week-end. La Vendée se lève sous une couche nuageuse qui perdure une bonne partie de la journée. Les températures, quant à elles, affichent 12 à Montaigu, 13 à La Roche-sur-Yon et 14 sur l'ensemble du littoral. Et puis dans l'après-midi, place à un ciel plutôt voilé et possiblement quelques ondées en bord de mer. On attend 17 sur la façade atlantique et 18 dans les terres. On passe au début de semaine et lundi, la semaine débute sous les nuages avec peut-être quelques ondées très localisées. On attend 10 à 13 le matin et de 15 à 17 degrés en seconde partie de journée. Mardi, c'est encore et toujours un ciel variable à nuageux qui nous attend, avec quelques pluies passagères et le mercure quant à lui affiche 11 au plus frais de la journée et grimpe jusqu'à 17 au meilleur de la journée. Et puis enfin, mercredi, l'atmosphère s'assèche pour laisser place à un ciel plutôt ensoleillé sur toute la Vendée. Les températures commencent timidement à être printanières. Elles débutent à 12 degrés en première partie de journée et grimpent dans l'après-midi jusqu'à 21 dans le bocage vendéen. Retour au dimanche 26 mai et c'est la fête des mères, alors j'en profite pour souhaiter une très belle fête à ma maman et à toutes les super mamans qui nous regardent sur TV Vendée. Le soleil se lève à 6h19 pour se coucher à 21h46 et la mer quant à elle est un peu agitée avec des coefficients de 76 et 74. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et nous on se retrouve très bientôt sur TV Vendée.